Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle guitare. Je n'ai pas fait de bien des vidéos dernièrement, mais je n'ai une coupe que j'avais commencé comme là. Celle-là. Fait que là, celle qu'on va faire, ça va être pas mal sur la même shape que ça, le body. Sauf que le top va être en épinette de sitka. Ça va être uni par exemple, ça ne sera pas comme ça. Le contour va être en érable. Le derrière va être en érable. Le manche va être en érable. Avec une insertion de padouk au lieu d'une insertion de noyer. Ça va être le derrière. C'est de l'érable que j'ai acheté chez Rona. Ben oui, chez Rona. Parce qu'ils ont quand même de l'érable flammé comme ça. J'ai pas grand flamme dessus, mais il y en a un petit peu ces côtés là. Comme sur le bord là, ça devrait sortir quelque chose de pas pire. Puis là, ici, j'ai le manche. Il est en trois parties. Milieu, un padouk, comme ça. Là, on a un petit peu les flammes là, un petit peu les flammes là. Comme ça, j'ai un long morceau là. Ça va être mes côtés. Parce que chaque bord de la guitare, ça va être vide. Ça m'a retranché ça en petites tranches. Peut-être des petites tranches, à peu près 3-16 épais. M'a tout shapé ça. M'a filmé ça et tout. On va tout shapé ça. C'est une forme de guitare. Ça, ben, c'est tout. Ça va être un peu. Mon manche va être un peu comme ça. Probablement, on va peut-être changer un peu ici le design. On va peut-être faire quelque chose d'autre avec ça. Là, pour pas copier Fender. Mais ça va être un manche comme une Fender. Même largeur, même longueur. La longueur, c'est 25 et demi Fender du pont là jusqu'au bridge qui va être sur la guitare. La longueur des cordes de viol là, ça va être 25 et demi. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai déjà coupé mon padouk. Je l'ai filmé ça tout à l'heure, mais j'ai oublié. Fait que là, ben, je montre, on va déjà shaper. Fait que là, je vais coller ça ensemble, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Dans le fond, ben ça va être genre quelque chose comme ça là. Puis ici, c'est sûr, fois je recolle d'autres, fasse d'autres petits collages après, mais si on fait ça après, c'est l'affaire là, c'est pas grave. Pour tout ce qui est important, c'est de coller ces morceaux-là pour que mon manche soit droite, bien correct. Fait qu'on va y aller avec ça. Avait-il d'autres choses, je vous la montrer. Non, je pense que pour tout de suite, ça va être ça. Fait que ça, c'est deux autres guitares qui n'ont pas terminé encore, mais on va finir ça là. Je fais le gros livrage de bois tout de suite parce que là, l'hiver s'en vient. Fait que je m'ai préparé bien des guitons parce que je vais les garder dans la maison. Puis il y a bien des affaires que je peux faire dans la maison. Ça ne dérange pas. Ça fait pas de poussière. Ça fait pas rien. Puis c'est ça. Puis là, ben, c'est pas mal ça. Fait qu'on va arrêter ça. Puis on va coller ça. Puis pour ça, ben, je vais refendre le bois. Puis je vais regarder faire lâcher. Lâcher, je vais en faire un MLV, ça me tente pas de faire un moule. Fait qu'on va faire ça. On va servir d'elle en arrière, on va se faire un dessin. Puis bien, je plie mon bois, mais on va servir de ça. On va le filmer, on va vous montrer ce que je vais faire. Fait qu'on va souhaiter que ça marche comme faut. Fait que c'est celle-là.